Quand il était sur terre, Jésus a parlé principalement du royaume de Dieu. Depuis des siècles, ses disciples prient pour que ce royaume vienne. Mais qu'est-ce que le royaume? Un royaume est un type de gouvernement. Un gouvernement est composé d'un dirigeant, d'un siège, d'un territoire, de lois et de citoyens. Malheureusement, la plupart des gouvernements humains ne répondent pas aux besoins de leurs citoyens, mais recherchent plutôt leurs propres intérêts. À l'inverse, le royaume de Dieu a le dirigeant idéal, Jésus. C'est Dieu qui l'a choisi comme roi, et c'est lui aussi qui désigne ceux qui régneront avec Jésus. Ce gouvernement règne depuis les cieux. Il reçoit son pouvoir et son autorité de Dieu. Ce royaume aura pour territoire la terre entière, ce qui éliminera tous les problèmes causés par le nationalisme. Tous ceux qui obéissent à ses lois peuvent en devenir des citoyens. Quel bienfait apportera ce royaume? Par ses miracles, Jésus a montré ce que fera le royaume de Dieu. En calmant une tempête, Jésus a prouvé que quand il sera roi, il maîtrisera les forces de la nature et résoudra les problèmes écologiques de la planète. En nourrissant miraculeusement des milliers de personnes, Jésus a montré que le royaume éliminera les famines. En guérissant des malades, des boiteux, des sourds et des aveugles, Jésus a donné une garantie que sous son règne, tous les humains auront une santé parfaite. En ressuscitant des morts, il a donné l'assurance qu'il annulera les effets de la mort. Vous vous demandez peut-être, quand le royaume de Dieu accomplira-t-il toutes ces choses? Les réponses à cette question et à d'autres se trouvent dans la leçon 7 de la brochure « De bonnes nouvelles de la part de Dieu ». Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Les témoins de Jéhovah se feraient une joie d'étudier la Bible avec vous. Demandez des cours bibliques en remplissant un formulaire en ligne et un témoin de votre région vous contactera pour étudier la Bible avec vous, à l'heure et au lieu qui vous conviennent.